Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hunting Simulator 2, bêta test, bien entendu. J'étais en train de boire l'apéro. Je viens de faire une partie d'échecs avec Bobby. Comment va Bobby? Oh, t'as l'air un peu triste. Il faut que je te sorte dehors, c'est ça? Allez, on va aller dehors. Attendez, cette fois-ci, il pleut. Il fait quel temps? Ensoleillé. Donc on avait avancé un petit peu, on avait trouvé le chien avait trouvé Bobby avait trouvé quelques traces de l'ours et du grizzly. Donc voilà, ah mais il y a un faisan là. Alors ça va être sympa ça. Donc ça ok c'est le cougar etc. Bref, on va aller prendre l'air tout de suite. Mais l'affiche. Hein. Voilà, sur la vidéo précédente on avait débloqué cette tente. Donc on va y faire un jeu de repère, filtrer, ajouter marqueur. Non, t'es sérieux, je peux pas y aller. Non. Bobby, on est obligé de tous retaper là. Trujillo. Bon, j'ai gardé le même fusil que la dernière fois. Hein. Ce qui est malheureux, je pensais que vu que j'avais débloqué la tente, enfin ce sera peut-être plus tard vu que nous sommes sur une bêta, hein, pour pouvoir spawn dessus tout simplement. Hein. Allez, viens Bobby. On a de la trotte à faire, je vous le dis moi. Donc j'ai trouvé un passage plus simple. Hein. Au lieu de contourner comme j'avais fait bêtement la dernière fois. Tout simplement longer, puis à partir d'ici environ, j'ai commencé à monter parce qu'on avait trouvé des traces d'ours et de grizzly dans cette zone-ci. Papillon! Ah, bah il s'est noyé. Allez, viens, Bobby. Bah, d'accord. Toi, t'es un rapide, hein, moule à gaufre. Si on pourrait choper au moins un ours et un grizzly, voir un peu la taille des bêtes. Ce serait bien sympathique. Bobby toujours à fond, toujours content d'être dehors. Pour l'instant, quand il trouve une trace, je lui dis de me suivre parce que j'ai soufflé là. Faut que j'arrête de fumer, moi, bon, allez. Et si on s'approche d'un ours, je pense que le cri doit être assez sympathique, hein, dans le jeu. Ok, elle est au moins touchée une fois, donc c'est un cougar. Allez, Bobby, oui, tu sais où on va là. Au moins essayer de trouver le cougar. Alors Bobby, c'est un bon chien. Et tiens, regarde, je vais faire une petite tapette. Hop. Bon chien. Voilà. Et tu vas aller me chercher cette bestiole. Ok, on verra si elle est morte rapidement ou pas. Donc, vous voyez, je suis tombé dessus par hasard, donc là je suis ici, ok. De toute façon, le but c'est de commencer, de continuer à monter jusque là. On va faire cette zone aujourd'hui. Alors, je pense qu'il perdait souvent la trace sur la vidéo précédente là où il pleuvait, tout simplement. Ah, regardez les pas. Sur la vidéo, tout simplement parce qu'il pleuvait, hein. En fait, quand il a mis le museau en l'air et qu'il cherche un peu partout, c'est qu'il a paumé la trace. Attends. Ouais, ok. Peut-être s'il faut, on va le voir juste après la butte. Putain, il y en a qui est beau là.
Ok, bon alors t'as nous Bobby. Oui, ici, là, faut chercher. Donc, vous voyez, avec un peu de bol, je vais finir par tomber sur un ours. Hein. Pour l'instant, trois bêtes ont été touchées. Le problème qu'il y a, c'est que j'en ai deux là-bas et ça va être tendu. Yes, là. C'est pas grave, au moins il est mort. Un wapiti mal. Pour l'instant, on a abandonné les autres gibiers que j'ai tirés. Hein. Une belle bête. Âgé. C'était un ancien. Impeccable. Donc là, on se trouve. Ah, on a passé la tente. Donc on va essayer un peu plus par là-bas. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, t'as retrouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est celui-là que je viens de buter, Bobby. Il y a eu un bruit là. J'aimerais vraiment avoir un ours, un grizzly, quoi. Il doit y en avoir dans cette jungle, la Bobby. Ouais, il veut retourner sur la trace qu'il a trouvée tout à l'heure, lui, hein. C'est quoi? Ah, c'est peut-être un des autres. Un des deux autres que Allez. j'avais tué tout à l'heure. Enfin, que j'ai tiré dessus tout à l'heure, mais après. On va voir, hein. Ah. C'était quoi un faisan? Ah, il y a eu un bruit bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'avais pas le bon calibre et malheureusement pour lui, il était bugué dans l'arbre. Une dinde? Ben, c'est excellent. Une dinde. Oui, j'ai entendu un truc chelou comme ça là. Ça c'est bien ça, quand on va pouvoir avoir les chiens qui vont pouvoir les lever. Ça c'est bien pensé ça. Voilà, elle a pas pu voler, elle était gênée par le sapin. Drrr, pour l'instant, toujours ni empreinte d'ours, ni de grizzly. Bon, je viens d'arriver en même temps sur le jeu, hein. J'ai pas fait nombre de coupures. Bobby, il cherche, mais il me trouve beaucoup de lapins. Donc là, je me suis approché d'un lac en me disant que peut-être. Donc ici, hein. Peut-être on aurait la chance de trouver
Tout simplement de l'ours, hein. Alors mes jumelles vont pouvoir peut-être me servir maintenant. What the fuck? Gardez le rabbit. Ça c'est de la portée, ça. Ok. Bon, mais ça pour l'instant, j'ai pas le bon chien adéquat, ou peut-être qu'il a pas assez de compétences pour, je ne sais pas. Je veux un grizzly ou un ours, Drujao. Bon, Bobby, bouge tes fesses. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Me dis pas que c'est un lapin, hein. Ah! Oh, mais les traces sont vieilles. Très bien. Allez! Mais t'es où, trou de cul? Bobby! Nice. Regardez cette belle vue près du lac. Donc, comme je vous disais sur la dernière vidéo là, la map en fait elle est énorme. Hein. Elle est énorme, on a fait de l'attente, enfin on a fait du bas, on a juste traversé comme ça, on est venu là. Hein. On a tout le haut, on a tout ce côté qu'on n'a pas visité. Puis c'est joli. J'ai plus qu'à trouver un nounours. Pour ça, je me mets en hauteur pour essayer de. Voilà, bien sûr, je ne montrerai pas. Mais pour essayer de voir un pachyderme, quoi. Pour l'instant, malheureusement. Trouve même pas de traces, Bobby. Et quand il s'en fout, il va courir dans l'herbe. Ah, t'as trouvé quoi? Attends, Drujao, papa, il voit pas les traces. Oh, je sais pas. Attends, si, non? Bon. Très bien. Allez. Les traces de quoi? Bobby, je sais pas ce que t'as reniflé là. Je sais pas, en tout cas il est motivé à partir le trouver. On a fait tomber un ours, Bobby! Ah yes! Ah, le voilà, le pachyderme. Ah, bah bien content, tiens. Là, on va voir si c'est un ours ou un grizzly, hein. Un ours noir. Âgé. Rangé. Ah, c'est bien, Bobby. Ok, donc le grizzly est bien entendu plus costaud. Voilà, je voulais vraiment faire sur cette vidéo, puis je l'ai vu là, j'ai vu une ombre noire passer, j'ai fait what the fuck. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Très bien. Allez. Oui, il y en a un deuxième.
Ah. Mouflon canadien. Très bien. Allez. Ah, je suis content, je vous ai au moins montré un ours. Bah, après le grizzly, je vous promets rien. Hein. Là, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Hein. J'avançais tranquille et. Et comme dit, j'ai vu son ombre. Là, même s'il aurait dû mettre 4 balles et prendre une amende, je m'en foutais. Hein. Fallait qu'il tombe, y a pas à chier. Que j'entendais des pas, des bruits près de moi et tout ça et ça devait être le pachyderme. Ouais, on a quand même une belle vue sur ce jeu pour une bêta, vraiment c'est sympa quoi. Je pense qu'après la réaction des animaux tout ça changera au fur et à mesure du temps. Et pour ce qui est la traque, le chien, les armes, la qualité du jeu, pour l'instant j'ai envie de vous dire c'est plutôt intéressant. Alors oui, une question qui m'a été posée pas mal de fois, sortie normalement le 25, hein, si mes souvenirs sont bons. Et en effet, je crois que ce sera sur PS4, Xbox et bien entendu PC, hein, ce qui est logique. Car je joue uniquement sur PC donc. Bon, pour l'instant, on trouve pas grand-chose. Hein. Une munition, je n'ai plus de munitions. Regardez comment que c'est chouette. On pense Bobby, Bobby il est bien dans l'eau là. J'aurais dû prendre deux fusils mais pour l'instant on n'a pas l'emplacement pour en prendre en fait un deuxième. Ça viendra plus tard bien sûr mais là, on ne l'a pas. Donc le grizzly je lui mets une balle, le loup, le l'ours pardon, mais je pense que ça va être juste. Hein. Elle va chercher la trace Bobby, mais je pense que ça va faire tout simplement comme le puma. Ok, donc écoute, si tu peux me le trouver. Derrière toi, Bobby. Allez. Mais bon, j'ai bien peur que celui-ci, on ne le verra pas. Je suis là, Bobby. Il est ici. Les traces, j'aime assez comme c'est foutu, c'est un peu moins surbrillant, machin, comme... ouais, enfin bref. Quand on voit qu'il saigne, hein, il a dû en prendre une bonne, mais... je pense que ce sera pas assez pour le faire tomber. On va voir, écoutez, je vais le pister un peu, mais ça pue. Bobby? Je sais pas si vous avez entendu, mais... Ça devait être un ours.
Peut-être celui qui est blessé, je sais pas. Et il m'a fait un bruit bizarre. Il est parti sur la droite, c'est lui. Oui, mais Bobby, il faut me dire où il est là, allez. Très bien. Allez. Ok, ouais, il est parti sur la droite, donc ça devait être lui, ouais. Bon, je suppose qu'on ne le retrouvera pas. J'aurais bien mis une ou deux balles de plus, mais malheureusement. J'avais plus de bastos. Bon, ce que je vais faire, je vais aller me recharger en bas, là. J'ai pas le choix. Donc, j'ai été chercher une nouvelle arme qui, elle, contient beaucoup de munitions. Pas mal ce petit affût là. Je vais sortir. Bien, bien. Donc là sur la map, on est là. Et en fait, on s'était retrouvé ici. Donc ouais, on avait fait quand même de la marge. Ça dépend ce que t'as trouvé, Bobby. Si c'est du lapin. Ah. Ours noir, ok. Ça m'intéresse, Bobby. Très bien. Allez. Va chercher. Dépêche-toi, trou duc. Allez, hop, 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 hop. T'inquiète pas, papa, il a pris les munitions cette fois-ci. Ça va chier. Où est là-bas, lui? Qu'est-ce que t'as vu? Vas-y, cours. Merde, il a dû voir une bestiole. Ah, j'étais trop loin de lui, je l'ai pas vu. Pas du tout ce qu'il a vu, peut-être un lapin, comme un ours, comme un chevreuil, un mouflon, j'en sais rien du tout. Un élan? Putain, dommage quoi. J'ai pas eu de visu du tout. Non, c'est pas ça, il y a un ours. Merde. J'ai la tête qui tourne. C'est un grizzly. Ah, j'ai tiré cette fois de la merde. Ça avait l'air clair. Eh oui, mon petit. Oui, Bobby. Are you?
Ah ok, ouais, il est là. Bon, mais j'ai été obligé de le finir, hein. Il allait pas marcher comme ça pendant 10 ans, hein. Donc voilà. Le premier grizzly. Salut Bobby la bête. Très bien. Bon chien. Bon caniche. Bon ben le grizzly, je peux pas le prendre quoi qu'il arrive. Mais voilà, j'ai au moins buté un ours noir, un grizzly, je suis bien content. Peut-être sur le grizzly tout à l'heure il avait aboyé vu qu'il avait continué à avancer vers le sud-ouest. Alors en face je vois pas grand ch... Non. Mais bon on va quand même traverser. On est où là? Non, en fait, on va pas traverser. Gibier Bobby. Allez, viens, on va voir un petit peu dans l'état qu'il est. Bon, j'ai peut-être pas le bon calibre, mais pour l'instant, vu que c'est une bêta, je ne m'en préoccupe pas du tout. Alors Bobby, tu vas m'aider à chercher où il est. Ok, bah ça a été rapide. Un cerf mulet. Oh, on fait pas mal de gibier, mon petit Bobby. Qu'est-ce que t'en penses, Drujor? Très bien. Allez. Voilà, des fois ça tombe sur. Il faut 3 balles. Sauf que ça tomberait en 2 balles. Si on prendrait bien entendu les munitions adaptées quoi. Mais moi spécialement non. Je prends les armes. Pour l'instant je suis pas encore là-dedans on va dire. Ok là il a trouvé les traces d'un élan. Mais je connais ici on arrive, on revient au point de départ. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où je crois que l'élan traversait par ici ou là où je suis. Il y a pas mal d'élan de ce côté. Bobby! Donc beaucoup disent que ça leur fait bizarre la lunette, mais de quelle façon en fait, c'est ça que j'arrive pas à... Chien à terre! Ok, donc l'élan est de l'autre côté de la flotte. Bah Bobby il a pris sa douche.
Waouh. Lui, je fais des balades sur des kilomètres, je me régale avec les paysages et tout quoi. Avec Bobby la pointe. Bobby, on le sort dehors, il est fou là, il est content là. Merde, y a quoi, y a quoi, y a quoi, y a quoi? C'est un lapin. C'est bien mon chien, oui, je l'ai vu, Bobby. Très bien. Allez. Je pourrais lui mettre un coup de dent au lapin. Qu'à la vitesse où ça court, mon vieux, pour les buter, ceux-là. C'est du costaud, hein. Putain, ouais, on a quand même des vues splendides, quoi. Faut dire ce qui est. Hein. Là, après, c'est chacun ses coups, bien entendu. Moi, je continue à passer par les broussailles pour retrouver du gibier, Francis. Hein. J'espère au moins vous divertir pendant ce fameux confinement. Hein. Et comme d'habitude, pour ceux qui bossent, c'est bien sûr protégez-vous quoi. Mettez pas une capote, non, mais mettez des masques, tu vois ce que je veux dire, hein, Drejo. Bon allez. Bobby, viens ici, trou du cul. Viens. Il est où? Ah ouais, oui, Bobby, allez. Je vais chercher encore un ou deux gibiers là. Oh là, tu me l'as bien excité de la nouille. Donc j'adore quand il aboie parce que du coup on suit son regard et on voit où il y a la bête quoi. C'est marrant quand même, on dirait que que je promène mon chien. Allez, fais pipis, allez! Après, faut aller manger le toutou. Fais le petit pipi, c'est fini. Drujo. Ouais, alors, comme disait Vagabond Fred, donc salut à toi, l'ami. C'est vrai que les papillons, il y en a un peu trop. Il y en a quelques-uns qu'on aimerait bien les aligner. Hein. Dans ce qui est bien, je l'ai dit sur une vidéo, c'est-à-dire que quand je vais me mettre à courir, là par exemple je vais courir tout droit, le chien va suivre tout droit, si je cours ici, le chien va suivre de ma gueule ou quoi? Eh, hey, trou duc! Ouais, ça se voit plus qu'en fait il passe devant moi. Bon, ben il a trouvé quelque chose. Donc. Ça s'appelle du caca, Bobby, hein. Faut pas goûter. Très bien. Allez. On pourrait finir sur un élan. Ah, excellent, j'ai trouvé un deuxième campement. Pour le voyage rapide. Y'a rien de mieux, Drujo. D'ailleurs, je suis où, là? Ah ouais. J'ai tué un lapin! Ils peuvent me mettre des amendes, maintenant je suis à 0$ donc. Bobby! Regarde! Mais là, tête d'œuf! Par contre, c'est leur pelage qu'il faudrait revoir un petit peu. Donc là, bon, on est sur une bêta, mais. On dirait une peluche. Ouais, un lapinou. C'est pas grave.
À un moment donné, faut savoir se faire entendre. On peut pas le ramasser, Bobby, on peut pas. Ouais, je vous promets rien, je vais essayer de buter une dernière bestiasse. Avec un peu de chance, Francis, hein. Par contre, je suis un peu dégoûté des deux que j'ai tirés tout à l'heure, parce que, carrément en début de vidéo, ils avaient pas l'air vilains. Ouais, alors c'est les traces qui sont vieilles ou alors c'est le pachyderme qui est vieux? Très bien. Allez. Ça, c'est la question que je me pose. Les gars, foutu papillon là. Ah, je l'ai eu. Voilà, j'avais dit que je ferais une dire. Mais la fiche! Nice! Regardez comment c'est beau! Alors on y va, on va la trouver cette dernière bestiole, Bobby. Ah, je peux pas m'accroupir dans l'eau, Bobby, hein? Non. Bah là, on va essayer de faire une dernière bestiole. Sérieux, pourquoi ils font pas un jeu de chasse et qui inclut également la pêche, quoi? Je me verrais bien faire des lancers à la cuillère, là. Je vous jure. Qu'est-ce que tu fous là, Bobby? Tu vas tomber, trop chaud! Il est tombé dans l'eau, Bobby, viens voir. J'ai dû de venir voir, mais l'affiche. Est-ce que moi je vais le trouver? Ah! Bah oui, elle est là! Ok, bon, ben nice! Oh bah bien sûr, t'as trouvé feignant et... T'as rien trouvé du tout. Bon ben bah les gens, écoutez, c'est ici qu'on va se laisser avec Bobby. En tout cas, je te remercie, Bobby. Réponds pas, sale traître. Je vous dis à très bientôt les gens, et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Allez, on rentre, Bobby.